my lovely viewers, welcome to Snack Kitchen. I hope and pray that you are all well and safe. Aujourd'hui, on va faire curry en dents, les foies, les cœurs et croyons. Allez, suivez-moi, nous commençons. Voilà, vous souhaitez un petit curry en dents, croyons, les cœurs et les foies. Vous plissez bien, vous tirez tout ce gras, vous lavez. Seulement, avant de mettre de l'eau là-dedans, vous mettez des cuillères de vinaigre et du sel, je frotte bien, je fais 10-15 minutes, reposer. Les là, je lave bien, je mets tout ce de l'eau. À ce stade, je mets de l'eau dans un poêle, je mets les bouillir là. Ça, c'est ma façon qui me cuit curry en dents. Vous êtes capable de faire ça avec bœuf, avec mouton, avec cabri. Moi, je vais servir mouton. Rognon, les foies, amine les cœurs, les foies. Voilà, je mets tout là-dedans, les foies, les cœurs et rognon. Je vais mettre un peu de sel. De là, tu as déjà fini pour mon bruit. Je vais mettre là. Tout le gras qui ne m'a pas retiré. Je vais faire quantité qui est capable. Gras et la peau qui ne m'a pas retiré et du sang. Les pour bruit, les pour flotter là-haut. C'est ma façon qui cuit le curry en dents. Même avec trip, je vais faire pareil. Mon bruit, je vais mettre là. Là, je vais faire bien bruit. Je vais mettre là. Les lames pour aussi mon masala, mon poulet, mon curry. Qu'est-ce que vous êtes? Ça c'est 10 ans, ça. Ouais? Mais moi, je ne suis pas content, ça. Là, je m'aligne bien bouillie, là. Là, je vais tirer, je vais pasteler, je vais tout. Je vais mettre dans le paspiré. Je vais tout, les lames relaver. Les lames pour aussi mon masala, mon poulet. Voilà. Regardez, vous êtes. Il finit bien lavé, il bien dégoûté. À ce terme, on peut mettre du sel, du poivre avec l'ail et zinzin, on peut laisser assaisonner bien jusqu'à ce que je cuise le curry là. Voilà mes épices que je vais mettre dans mon curry en dents. Et dans tout là, je vais mettre un petit peu de sel dans la poudre de curry. L'ail et zinzin, de l'huile, pomme d'amour. Je vais mettre des qualités d'oignons parce que c'est elle qui me tient là. Plus, je vais mettre ça un petit peu dans le tempo avec un peu de safran parce que pour bonne vie du monde, pour un peu dur pour tout manger. Voilà, je vais mettre de l'huile sur mon bon curry. Il finit de cuire dans sa pressure cooker là. Je mets ça pour que bonne du monde un peu âgé, qui a une facilité de manger. Un petit peu de tilani en grains. Tous mes bons ingrédients pour dans mon description box. Voilà, maintenant on met ce pomme d'amour. On laisse le rôtir jusqu'à ce que de l'huile est séparée avec ce bal d'épices. Toujours veiller, attention qu'il brille. Les check-lips, vous allez toujours mettre de l'eau chiquite pour chiquite. Jusqu'à ce que toute l'huile est séparée. Et là, je connais bien rôti. Voilà. Vous avez trouvé quoi? Les épices sont séparées avec ce de l'huile. Ça veut dire une bière aussi là.
Maintenant, on va mettre le curry là, dans le panier. Des fois, les pieds là. Et si elle est un peu, vous mettez là-dedans, on va laisser rousser un petit. Un petit 5 minutes et que ça va les épices là. Pour ça va les épices là, pour blend bien là-dedans. Parce que vous prenez, ça mange sexy que ça. C'est quand même, on va mettre un peu la sauce. Laissez rousser un petit peu de ces épices. Voilà, qui était carine bien roussi. Parce qu'elle a aussi une bien rentrée de l'huile là, il est bien roussi là-dedans. Maintenant, on va vous mettre un peu de l'eau juste pour la sauce. Voilà, la moitié tasse de l'eau. Ok, juste la moitié tasse de l'eau. Voilà, on laisse cuire un petit guide. Parce que si c'est un petit guide la sauce, même lui disait. Hein? Là, tout le monde mange bien sec même. Je vais mettre de la sauce selon le goût. Voilà. Là, on va laisser les faire consommer un petit peu. Et pour ça, fini. On va mettre ce garnishing pour moi de coton milly, c'est tout. Voilà, nous regardons un petit coup. Voilà. La ligne correcte. On va vous laisser cuire encore. On va vous mettre encore la sauce. Tout est fini. À cette stage-là, je suis capable de checker le diesel. Pour moi, je connais lui, ok. Voilà, on va mettre ce garnishing. Et puis ça. Laisse-moi finir le teint du feu. Voilà. Parce que vous allez goûter. C'est tout qu'il nous a pour faire maintenant. Vous allez goûter. Je vais bien essayer ça parce qu'il faudrait essayer pour que je te connais. Ça, de ma façon qui cuit, mon bouilli avant, mon tchèque, tout ce disant. Essayez. Les là, je dis à moi. Right. Laisse-moi pour mettre dans un petit plat pour goûter. Voilà, nous pouvons goûter là. If you have liked the video, please don't forget to like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram at Zinat's Kitchen. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Please don't forget to share with all your family and friends. Voilà, Karine finit cuit. Astaire, nous pouvons goûter. Thank you for watching. See you in my next video. Bye. Very nice, very, very nice indeed. Thank you for watching. Bon appétit!